Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour l'épisode 10 de notre Let's Play sur Pokémon Royal et nous sommes dans la base de la team du jeu, hein, la team Knight en l'occurrence, sachant qu'on a déjà réaffronté deux de ses membres, on avait affronté aussi leur chef qui était en fait mon oncle dans le jeu, hein. C'est étrange. Et du coup on a progressé jusqu'ici et on va voir ce qu'on va y découvrir. Oui, on avait cette clé. On avait ouvert la petite porte juste ici. Ah, on va devoir affronter Percival maintenant. Il va aller avec Grimmsnarl. On va pas prendre de gants et envoyer un séisme directement. Il va y avoir une câlinerie. Ah, il va baisser mon attaque. Et on va tenter le séisme derrière. Giga Impact, non ? Dragalg. On va switcher sur Swampert, s'il vous plaît. On va envoyer tout de suite le Earthquake. Dusknoir. Il a envoyé que Châtiment. Et malheureusement, le Dusknoir va y passer. Empoléon. Oh merde. Je me fais jamais tuer par un Empoléon Drillpeck. Ça n'arrivera jamais. Scizor. Bon, ah, c'est un peu fini. Hein. La méga ne changera rien, mon ami. Oh, Dialga. Ah, tu veux que je fasse de la place pour toi. Il a quoi comme 7 le CI? Il est 80. Shit, Earth Power, Giga Drain, Leaf Storm. Il a pas de setup.
Putain, cette poignarde, ça. On va switcher sur Komo, s'il vous plaît. Coordonnées, on va re-switcher sur le Tiflo. À la 1, à la 2, à la 3. Ça tique fat. Il était battu, une fois encore. Et même avec Dialga pour le coup. Alors, attends. On va prendre ici. Ah oui, attends. Il va quand même y avoir une autre victoire. C'est parti. C'est quoi ça? Est-ce que c'est un exagide avec ou sans le nerf d'ailleurs? Bah comme il y a la 8G incluse dedans, je pense qu'il y a le nerf. Alors lui aussi a accès à Tic Fat techniquement. Je
crois que... Ouais. Il s'est quand même fait one shot. C'est un Stonejourner. Qui va largement se faire one shot de Scald. Hein. Je pense que c'est assez... Ah, il a Stardy. Oh putain, j'ai... Hein, d'où il a Stardy? Il a pas... Oh, ils lui ont changé son talent. Normalement, il a cercle d'énergie. Hein. Il a pas d'autres talents. C'est un talent uniquement utilisable en duo. Vision. Bon, pour l'instant, ça va. Ça. Ah, je crois avoir compris. Non? Ah, c'est là. Il faut aller chercher des cristaux. Donc il en resterait 4 à aller chercher. Cristal turquoise. Envoyer, je pense, Lotiflosion. Et il a eu la bienveillance de poser un light screen quand même. C'est pas, pour une fois, c'est pas con. Malheureusement, ce truc n'a pas d'attaque feu. Je me demande s'il est pas dépassé. Hein. Il va être dépassé. Je crois qu'il a une basse stat un peu supérieure en vitesse. Lurantis. Et on va envoyer directement le lance-flamme. Ah oui, il y a le light screen, j'étais en train de me dire, putain, les dégâts que ça fait sont ridicules. C'est pas possible. Oh! J'ai chopé un Groudon sans... Ah, j'ai chopé un Groudon incroyable. Bah au moins la Master Ball va servir, tu me diras. J'ai chopé un Groudon. On sait pas d'où ça. Je sais pas s'il a pris mon Groudon dans ce jeu. J'ai chopé un putain de Groudon.
Ouais, il sert à rien hein, dans ma team, mais bon. Je l'ai vu le dernier. Voilà. On va sortir d'ici. Oh, il a mis la reine! Pourquoi est-ce qu'il a mis la reine? Je ne sais pas. Drôle d'idée. En tout cas, le Gengar va y passer. Bon, bah on y est déjà, pour le coup. Je m'y attendais pas. Mais du coup, c'est fait. Et du coup, la prochaine fois, on pourra se faire les Pokémon comme d'habitude sur un épisode séparé. Ah, ça va. Le jeu était plutôt cool, quand même. J'ai bien apprécié. Avec une, on va dire, une thématique spéciale, plutôt. Merci beaucoup de m'avoir suivi. À très bientôt pour la suite, donc.